Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dieu est fidèle, sa parole va vraiment s'accomplir dans nos vies parce qu'il n'est pas un homme. Dieu est fidèle, sa parole va vraiment s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme. Tout le monde loue le Seigneur. Je veux louer mon Dieu. Louer le Seigneur. Je veux louer toujours. Il n'y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce en ce nom, les voies se marchent.
ces lieux. Amen. Là où Jésus règne, il y a la vie. Amen. Là où Jésus règne, il n'y a pas de tristesse. Amen. Il n'y a pas de peur. Amen. Il n'y a pas de ténèbres. Amen. Est-ce qu'on peut crier ensemble Alléluia? Alléluia! Ce matin, nous voulons un Alléluia de Jéricho. Le Alléluia qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Est-ce que tu peux sortir ce Alléluia pour ton Dieu? Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Gloire à Dieu! Bien-aimés, bonne année à tous. Bonne année à l'église. Alléluia! Moi, je me manquais aussi. Hein? Alléluia! J'étais triste quand je me voyais parfois sur Internet. Je vois comment ça se passe, mais j'ai toujours prié pour vous. Amen. Et hier, ma prière, j'étais avec certains frères, j'ai demandé au Seigneur d'amener son peuple dans sa maison. Et aujourd'hui, je vous vois si nombreux qu'auparavant, parce que Dieu a répondu à ma prière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Amen. Je salue tout le monde. Encore et encore. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, nous allons recevoir ce que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Dieu nous aime. Amen. Une nouvelle année, c'est une nouvelle dimension. Une nouvelle année, c'est de nouvelles résolutions. Une nouvelle année, c'est une nouvelle position. Une nouvelle année, c'est une nouvelle vision. Alléluia. Et quand j'ai eu le pasteur, hier on a discuté, on parlait avant, et on a parlé hier, il m'a fait part de tout ce qui se passe dans l'église, j'étais très content. Et il m'a parlé du thème de l'année, l'église en marche, l'église en mouvement. Mais ce matin, et je veux parler de ce qui peut mettre l'église en marche. Qu'est-ce qui peut mettre une église debout? Qu'est-ce qui peut transformer les vies? Qu'est-ce qui peut attirer sur toi et sur moi la présence glorieuse de Dieu? Cette année, c'est une année de grâce surabondante. Cette année, c'est une année de gloire. Pour ceux et celles qui ont pris la résolution de marcher avec Dieu. Amen. Et ce matin, je veux parler de la crainte de Dieu. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu et qui ont fait des exploits avec Dieu et qui ont été visités par Dieu, la Bible nous dit qu'ils ont marché dans la crainte de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, la crainte de Dieu. Dis à quelqu'un la crainte de Dieu. Je vais lire trois textes. Le premier est tiré du livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7. Maintenant, que la crainte de Dieu soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez Dieu, il n'y a chez l'Éternel notre Dieu, ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de peau de vin. Le deuxième est tiré de l'épître de Pierre. Un Pierre. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si, et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage.
Et le dernier est tiré du livre des Actes, Actes chapitre 9, verset 31. Je lis la parole de Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Notre thème, c'est l'Église en mouvement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, je veux parler de la crainte de Dieu qui est un don du Saint-Esprit. Pourquoi ce matin je parle de la crainte de Dieu? La crainte de Dieu au sens biblique n'est pas la peur qui pousse certains à fuir Dieu ou à se cacher de Dieu comme Adam et Ève l'ont fait dans le jardin d'Éden. Mais elle est le sentiment pieux ou religieux de la créature faible et misérable devant la puissance, la majesté, la sainteté de son Créateur. Alléluia. Pourquoi ce matin je parle de la crainte de Dieu? C'est quelque chose qui a disparu de l'Église. L'Église, au commencement, la Bible nous dit qu'il y avait quatre choses qui fondaient l'Église dans le livre des Actes. Actes chapitre 2, versets 42 à 43. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Au verset 43, la Bible dit que la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et il faisait des prodiges, des miracles, des signes qui les accompagnaient. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Aujourd'hui, de nos jours dans le monde et autour de nous, la crainte n'existe plus. La crainte est liée au respect que nous avons de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons le Saint-Esprit. J'ai entendu qu'il y a des programmes, comme le frère l'a dit, il y a des activités, c'est très bien. Mais est-ce que réellement nous craignons Dieu? Qu'est-ce qui peut attirer dans l'Église la présence de Dieu? Qu'est-ce qui peut donner à l'Église la victoire? Qu'est-ce qui peut amener l'Église, oui, à conquérir des territoires? C'est la crainte de Dieu. C'est le témoignage qui les rend de la vérité. L'Église est établie pour faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, de nos jours, ici et ailleurs, la maison du Seigneur est devenue, alléluia, une maison de voleurs. Une maison où on trouve l'abomination, la désolation, des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Les chrétiens pensent qu'à force de jeûner, à force de prier, que Dieu sera avec eux. Non. Ce n'est pas le nombre de jours que tu prends pour jeûner qui va amener Dieu à te suivre, qui va amener l'action du Saint-Esprit, alléluia, à glorifier dans ta vie. C'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui à l'Église, c'est là où on ment. On n'a pas peur de mentir. C'est à l'Église qu'on bafoue même l'autorité de Dieu. On a le plaisir partout, mais sauf à l'Église. La Bible nous dit que l'Église qui était en marche, elle était en marche à travers la crainte de Dieu. Et l'Esprit de Dieu agissait dans la maison du Seigneur. Amen.
La Bible n'a pas dit que l'Esprit était sur un seul homme. La Bible dit que l'Église était en mouvement. Qu'est-ce qui met l'Église en mouvement? Frère, c'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui peut mettre une église debout, qui peut attirer la foule, la faveur de Dieu? C'est la crainte de Dieu. C'est la clé de toute réussite. Et cet esprit reposait sur le Fils de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous avons reçu l'Esprit de Christ. Amen. Ésaïe 11, verset 2, on peut le lire s'il vous plaît. L'esprit qui reposait sur Christ, il y avait la crainte de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, on dit qu'on a le Saint-Esprit et qu'on n'a pas la crainte. Mais l'esprit n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui garantit ta chrétienté? C'est ta loyauté envers Dieu, ta soumission envers Dieu, ton respect envers Dieu. Alléluia. La Bible nous dit quoi? L'esprit de l'Éternel reposait sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Bien aimé, souvent on parle du Saint-Esprit, mais on ne parle pas de la crainte. Mais la crainte est dans l'esprit. Amen. Ce matin, on vous a parlé un peu du Saint-Esprit quand je suis arrivé. Mais comment l'esprit va être en mouvement en toi si tu ne crains pas Dieu? Comment tu vis? Le but de ta vie et de ma vie, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. C'est le but de notre existence. Si l'Église ne fait pas la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, frère, l'Église n'a pas sa raison d'être. Et si nous sommes là, ce n'est pas en multipliant des paroles. Ce n'est pas en venant, oui, comme on a l'habitude de venir chaque dimanche, oui, à l'Église, on a une tradition, on est fidèle. Non! Dieu regarde ton cœur. Maintenant que tu es assis et que tu me regardes, est-ce que réellement tu crains ce Dieu? La crainte de Dieu montre la voie au juste. Le psalmiste le dit. Le psalmiste dit, Dieu dit à David, il dit qu'il a crainte. S'il demeure dans la crainte, il lui montrera la voie. Beaucoup sont assis là et ailleurs. Nous sommes à la recherche des solutions. Comme le frère disait ce matin, on cherche des hommes de Dieu, on cherche à consulter des gens. La résolution n'est pas entre la main d'un humain, c'est entre les mains du Seigneur. La résolution, c'est-à-dire, est entre les mains de Dieu. La Bible dit que Dieu montre la voie à celui qui le craint. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas aller loin. Aujourd'hui, à l'église, on veut mariage, on veut tout, mais il n'y a pas de crainte. On demande cet esprit. Seigneur, fais-nous voir ton miracle. Seigneur, envoie ceci. Seigneur, envoie cela. Non, 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 non. Dieu ne peut pas envoyer. Pourquoi? Est-ce que tu n'as pas la crainte? Dieu ne veut pas les beaux discours. Dieu regarde ton attitude. L'état de ton cœur à son égard et à l'égard des autres. Comment tu réagis? En tant que chrétien, on n'est pas chrétien seulement à l'église. On est chrétien partout où nous sommes. Partout où tu es appelé à ressembler à Christ. Là où tout le monde ment, tu n'as pas menti. Là où les gens sont dans la dépravation, ils mènent une vie dissolue. Ce n'est plus ta vie. La Bible dit que les anciennes choses ont été effacées, sont passées. Tu es devenu une créature nouvelle. Tu es renouvelé, tu es régénéré, tu es transformé par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui témoigne à toi. Et c'est l'Esprit qui t'amène à rendre témoignage à la vérité de Dieu. Mais l'Esprit en qui? Il est en celui qui craint Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force magique. C'est un don. C'est un pouvoir. C'est une puissance que Dieu accorde à ceux qui le craignent. Dieu donne l'esprit à ceux qui ont la soif et qui veulent faire sa volonté. Mais de nos jours, nous sommes à une époque où il n'y a plus de respect, où il n'y a plus de loyauté. Nous sommes à une époque, frère, où chacun fait ce qu'il veut. Même pour adorer Dieu, il faut qu'on vous supplie. Même pour se lever, quand j'entends ici, souvent on dit, vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que tu es venu pour être confortable ici? Mais tu as un lit. Tu as ton canapé.
Tu es là où tu peux te reposer. À l'église, on est venu faire la volonté de Dieu. Amen. Le seul maître à l'église, c'est Christ. Alléluia. Celui qui est le chef à l'église, c'est Christ. La Bible dit que Christ est le chef de l'église. Vous savez, quand je prêche ici, vous n'aimez pas. Mais je dois vous prêcher ça. Prêche. J'ai prêché dans l'église en Allemagne. Le pasteur est parti. Alors que je prêchais. Pourquoi? Parce que j'ai prêché sur la droiture. Le chrétien marche dans la droiture. Amen. Le chrétien marche dans la vérité. Amen. Mais nous ne sommes pas dans la vérité. Nous sommes assis. Nous sommes devenus faux. La Bible dit Esaïe 59, verset 13 à 16. Qu'il n'y a plus de vérité sur la terre. La vérité a disparu. Voilà pourquoi tu as parlé à Jérémie. Dans Jérémie 7, verset 28, il dit d'aller rappeler au peuple que le peuple doit revenir à lui. Parce que la vérité n'est plus. Là où je suis assis, je suis conscient même que je mens. Je suis conscient que je suis dans le faux. Je trompe les gens. Je suis dans le péché. Prêche. Je suis dans les choses qui ne m'ont pas Dieu. Je suis dans le commérage, la division, la haine. Des choses qui m'éloignent de Dieu. Et je suis assis. Je suis chrétien. C'est moi qui vais adorer. C'est moi qui vais donner des règles. Non, tu n'es pas à l'église pour dicter tes lois ou tes règles. Tu n'es pas à l'église pour dire à Dieu ce que Dieu doit faire. À l'église, c'est Dieu qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Ce n'est pas toi qui parles. Amen. Et quand le Saint-Esprit parle, il ne va pas te prendre le cantique numéro 16. Non. Amen. Le Saint-Esprit, il t'inspire ce que tu dois chanter, ce que tu dois dire. Le Saint-Esprit ne te dira jamais, frère. Pas le cantique 16, pas le 17, non. Amen. Il mettra dans ta bouche Amen. Des chants Amen. Qui clouent Dieu, Amen. Qui glorifient Dieu, qui lèvent le trône de Dieu. Amen. Mais nous, aujourd'hui, on est assis dans le faux. Tu connais ta vie. Si Jésus revient aujourd'hui, l'église qui est en mouvement, c'est une église où on voit des signes miraculeux, où il y a les actions du Saint-Esprit, où il y a des transformations, où il y a des victoires. Où est ta victoire, l'église? Où est ta victoire en tant qu'enfant de Dieu? Tu es tout le temps dans les mêmes problèmes. Tout le temps dans la même situation. Jusqu'à quand? On dit, non, sois patient, Dieu va faire. Non, ce n'est pas le Dieu que j'adore. Le Dieu que j'adore, quand je l'appelle, il vient maintenant. Quand je dis, Seigneur, guéris, guéris. Et le Seigneur touche, il touche. Amen. Il y avait une femme qui avait été opérée. Elle avait un cancer. On dit qu'elle allait mourir au mois de décembre. Je lui ai dit, si tu acceptes Jésus, tu vas guérir maintenant. Amen. Elle a accepté Jésus. Elle a été guérie. Si vous n'avez pas ce système-là, il y a ça ailleurs. Je peux mettre ça, projeter ça à travers mon iPad. Vous allez voir l'image de la femme. Le jour qu'elle a accepté Jésus. Elle a été guérie. Ça a été certifié même par des médecins. On ne sait pas comment le cancer est parti. Mais le roi de gloire l'a fait. À cause de la crainte de Dieu. Les gens parfois, c'est elle là. Tu ne dois pas les écouter. Tu dois te focaliser sur Jésus. Amen. Qui te parle, qui te conduit, qui te dirige, qui t'oriente, qui te donne des directives. Amen. Ça doit être le Saint-Esprit Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, la crainte a disparu dans l'église. On est dans les traditions. On dit l'église est en mouvement. Le mouvement, c'est pas le fait que tu quittes chez toi, tu viens, tu retournes, ça va pas dans le mouvement. Le mouvement, c'est amener, c'est-à-dire les actions de Dieu, Amen. Là où il n'y avait pas de vie. Alléluia. Le mouvement, ça allait sauver les autres. Le mouvement, c'est rendre témoignage que les gens se transforment. Le mouvement, on dit l'église croissait. Le mouvement, c'est quoi? C'est votre objectif. Si vous priez dans la crainte, c'est comme vous avez commencé. D'ici juillet, la salle là, doit être remplie. Les gens doivent descendre en bas. On doit avoir deux cultes, trois cultes, quatre cultes, cinq cultes. Amen. Alléluia. On quitte ici même. On dit si c'est petit pour nous, on va ailleurs. Alléluia. C'est ça l'église en mouvement. L'église en mouvement, c'est qu'il y a des guérisons. Il y a des miracles. Il y a des prodiges. Il y a des témoignages. C'est rare de voir les gens témoigner ici. Alléluia. Amen. Je ne veux pas revenir sur un détail qui vous a été déjà prêché quand le pasteur a introduit le terme où Achille en a parlé. La crainte de Dieu est une exigence de Dieu. Deutéronome 10,
verset 12 à 13. Dieu a dit au peuple de le craindre. C'est une exigence de Dieu. Sans la crainte de Dieu, tu ne peux rien avoir de Dieu. Tu ne peux rien faire avec Dieu. Dieu marche avec ceux qui les craignent. Aujourd'hui, on chasse les démons partout. Sorcier par-ci, sorcier de gauche, sorcier à droite, sorcier en nord. La Bible dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Beaucoup sont assis là pendant que je parle. Alléluia. Bien-aimés, ils n'ont pas d'anges à leur côté. Pourquoi? Parce que ta vie a fait fuir les anges. La Bible dit que les anges craignent Dieu. Même Satan, il craint Dieu. Satan a craint Dieu. Parce qu'il y a deux types de craintes. Il y en a même plusieurs. Il y a la crainte qui est liée à la peur. Il y a la crainte qui est liée à un respect d'autorité. À une famille bien-aimée. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut t'amener à ce niveau? Alléluia. C'est la crainte de Dieu. On dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. N'est-ce pas, frère? Et il les arrache du danger. Mais beaucoup sont dans le danger parce qu'ils n'ont pas d'ange. Beaucoup sont en danger. Tout est malade, tout a des problèmes troublés. Oppressés par les mauvais esprits. Il retourne comme il est venu. On ne vient pas à l'église pour retourner comme on est venu. Si je suis à l'église, ma vie doit changer. Amen. Mais toi, tu es tout le temps la même chose. Tu parles tout le temps le même langage. À l'église, il n'y a pas d'amour, mais toi, crée l'amour. Il n'y a pas d'amour, mais toi, crée quelque chose. À l'église, il n'y a pas de prière. Commence à connaître les prières. À l'église, il n'y a pas d'enseignement. Mais est-ce que tu viens même en semaine? Et tu veux tout connaître dimanche? Non. Non! La crainte de Dieu nous amène à faire le sacrifice. Amen. La crainte de Dieu nous amène à adorer Dieu véritablement. Enfin, notre adoration ne monte pas au trône de Dieu. Pourquoi? Enfin, on est content de nous ici. Mais est-ce que Dieu est content de ce que nous faisons? C'est ce que Dieu apprécie qui compte. Parce que les hommes apprécient. On s'acclame. Mais la soeur, tu vois, peut-être elle est dans le musical. Elle est dans une relation avec un frère. Et vous vous acclamez. Non, tu as bien chanté. Mais quel témoignage. Où le frère il est assis, il a qu'une soeur à côté. Alléluia. Et quand il dit, oh, tu as bien chanté. Hein? Non. Dieu n'apprécie pas ça. Dieu n'apprécie pas ça. C'est là où il y a la crainte de Dieu. Là où sa seigneurie, alléluia, est présente. C'est ce que Dieu acclame. Et quand Dieu t'acclame, quand Dieu t'acclame, c'est le ciel qui t'acclame. Et quand le ciel t'acclame, frère, tu vas aller loin. Amen. Quand les hommes t'acclament, tu es limité. Hein? Mais le jour qu'ils ne vont plus t'acclamer, tu vas tomber. Mais quand Dieu t'a acclamé, il te positionne. Amen. Eh, hey, mais tu as bien chanté. Hein? Mais est-ce que son chant là, sa vie doit être conforme à son chant? Les paroles que vous chantez, comme j'ai dit à un séminaire en Allemagne, frère, à un groupe de chants, alléluia. Les paroles que vous chantez, vous devez vivre ces paroles-là. Qui dirige ta vie? Qui conduit ta vie? Quand c'est Dieu qui conduit ma vie, je demeure dans la crainte. Et quand tu es dans la crainte de Dieu, tu vis de grandes choses. Amen. Aujourd'hui, on repose tout sur un homme. Le pasteur, non. Mais toi, est-ce que tu crains Dieu? Lui, il craint Dieu. Et il a avec Dieu plusieurs années. Est-ce qu'il avance? Mais toi qui es assis, est-ce que tu crains Dieu? La crainte de Dieu établit une relation, une intimité entre toi et Dieu. Amen. Quand tu parles, Dieu t'entend. Amen. Quand tu parles, Dieu te visite. Quand tu parles, Dieu t'amène à un lieu élevé. Il te prend à la poussière. Il t'amène à la table des rois. Ça, c'est la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu t'amène à obéir à Dieu. La crainte de Dieu t'amène à faire la volonté de Dieu. La crainte t'amène à fuir même le mal. Quand on critique les autres, les gens qui sont là qui ne parlent pas, qui ne parlent pas aux gens. Mais est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? La Bible dit dans Ésaïe 5, verset 20, il dit malheur à celui qui apprécie le mal pour le bien. Toi, tu ne parles pas à ton frère. Et tu veux maintenant que l'église grandisse. Comment l'église va grandir? Quand un nouveau va venir, il va regarder à nous d'abord. Comment on accueille les gens? Comment on parle aux gens? C'est que, comment on fait? C'est ce qui va faire que les gens vont demeurer. Oui, tout le temps les gens viennent, ils partent. Mais pourquoi ils partent? Parce que nous-mêmes, on n'est pas sages. La crainte de Dieu nous rend sages. La crainte de Dieu nous donne l'intelligence. Et nous amène à cultiver l'amour fraternel, l'amour mutuel, le respect. Oui! Mais aujourd'hui, il n'y a plus de respect.
il n'y a pas de respect, Dieu n'est pas présent. Là où il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas présent. La crainte de Dieu t'amène à aimer l'autre. La crainte de Dieu t'amène à laisser mari des gens. Il dit, la crainte de Dieu t'amène à laisser mari des gens. La crainte de Dieu t'amène à laisser mari des gens. La crainte de Dieu t'amène à laisser la femme d'autrui. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte à l'église. C'est là où il y a les adultères. C'est là où il y a les menteurs. C'est là où il y a les ivrognes, les impudiques. Tout ce qu'on peut citer, c'est à l'église on trouve. Parfois, quand tu viens dans l'église, tu dis, mais est-ce que c'est la maison de Dieu? C'est là où les gens ne se saluent même pas. Mais est-ce que nous créons Dieu? Est-ce que nous créons Dieu, frère? La crainte de Dieu, l'esprit qui repose sur Jésus, l'amener à obéir à Dieu. Et la Bible dit que son obéissance était parfaite. Amen. La crainte t'amène à obéir. Mais quand tu désobéis, est-ce que tu crains Dieu? Je suis là aujourd'hui triste. J'ai vu à quel moment le groupe musical est venu. Et ils sont combien? Il y a des gens qui peuvent réintégrer le groupe musical, mais ils refusent. D'autres ne viennent plus, parce qu'ils sont devenus quelque chose. Mais est-ce qu'ils craignent Dieu? Et c'est vous qui les louez, c'est vous qui les acclamez, c'est vous qui les encouragez. Et c'est vous encore qui racontez à ces gens tout ce qui se passe à l'église, même quand ils ne sont pas là. C'est Dieu qui bâtit sa maison. Amen. Il bâtit avec ceux qui le craignent. Amen. La crainte de Dieu. Alléluia. Oui, instruis le sage. Elle te donne une restriction. Psaume 25, verset 12. La crainte de l'Éternel, oui, est une source de sagesse. Proverbe 9, verset 10. La crainte de l'Éternel, alléluia, vaut mieux que beaucoup de richesses. Tu peux avoir tout. Tout ce que tu veux dans ce monde. La gloire de ce monde. Mais si tu ne crains pas Dieu, c'est zéro. Proverbe 15, verset 16. La crainte de l'Éternel, alléluia, oui, est une protection, un refuge pour les enfants de Dieu. Proverbe 14, verset 26. Bien-aimé, il est temps pour que l'église se lève. Il est temps pour que l'église marche dans la crainte. Il est temps pour que l'église révèle au monde le Dieu glorieux, Jésus-Christ. Mais comment tu vas révéler Jésus aux autres? Comment tu vas gagner les autres? Et toi-même, tu mens. J'ai dit une fois, dans le milieu africain, quand tu vas pour le social ou pour les séjours, les gens racontent beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Parce qu'il veut rester là. Dis à Dieu, je vais rester là. Dieu va te faire, tu vas rester là. Tu as besoin de raconter les choses. Alléluia. La crainte de Dieu empêche même le divorce. La crainte de Dieu t'amène à ne pas divorcer. La crainte de Dieu t'amène à abandonner tout ce qui n'honore pas Dieu. Parce que tu respectes ce Dieu. Tu le connais. Tu sais qui il est. La crainte de Dieu te rapproche de Dieu. La crainte de Dieu te donne les sentiments que Christ avait. Amen. La crainte de Dieu te valorise. La crainte te donne la... Vous savez, quand on est chrétien, le vrai chrétien, c'est Dieu qui le valorise. Amen. C'est Dieu qui te donne la valeur. C'est Dieu qui t'élève. C'est lui qui te positionne. Mais nous, aujourd'hui, on ne craint pas Dieu. Mais on a si. Et aujourd'hui, on craint Dieu. Quand on parle, Amen. Tout le monde est venu calme. Quand j'avais pas dit, on a passé, il m'a dit qu'il vient prêcher, il est sûr. Je t'ai dit la vérité. Moi, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là pour dire à Dieu ce qui se passe. Je suis là pour dire à l'église ce qui se passe. Et Dieu nous parle. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui était hier, il est encore de l'actualité. Je trouve beaucoup de paroles, beaucoup de théologie pour étouffer le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, frère, nous devons faire attention. Pourquoi je dois craindre Dieu? Pourquoi je dois marcher dans la crainte? De nos jours, nous vivons dans... Oui, à un moment dans la société où il n'y a plus de respect. On voit des choses du n'importe quoi qui se passent ci et là. Mais c'est le temps de la fin. C'est des choses que Dieu même avait annoncées, que Paul même avait parlé. Il dit que les gens seront rebelles, égoïstes. Ils vont bafouer l'autorité de Dieu. Ils vont quitter les choses de Dieu pour se plaire dans les choses du monde. Mais quant à nous, que faisons-nous?
pasteur nous a dit que Dieu a dit que l'église est en mouvement. Moi je prends, c'est cette figure, cette image que j'ai. Qu'est-ce qui peut mettre l'église en mouvement? C'est la crainte de Dieu. Amen. Parce que dans la crainte, il y a obéissance. Il y a sanctification. Il y a consécration. Il y a sagesse. Il y a tout ce que tu veux. La clé, c'est la crainte. Amen. Maintenant, demande au Saint-Esprit. On le parle de ce matin. Seigneur, je veux prophétiser. Je veux parler en langue. Je veux faire un miracle. Je veux. Non. Dans tout ça, là, s'il n'y a pas de crainte, c'est zéro. S'il n'y a pas de crainte, c'est zéro. Les hommes de Dieu, nous que vous écoutez parfois sur Internet, pourquoi leur église grandisse? Vous voyez la foule, vous les enviez même. Si on peut faire la même chose, parce qu'ils payent le prix pour ça, certains. Tout n'est pas vrai, hein? Mais certains, ils marchent dans la crainte. Ils font des sacrifices. La crainte de Dieu amène la vie de prière dans une église. Mais ici, on n'aime pas la prière. Vous allez voir, tout à l'heure, beaucoup vont partir. Qu'est-ce qui t'attend de mieux dehors que dans la maison? David dit, une heure dans tes parvis vaut mille ailleurs. Amen. Amen. Celui qui aime les choses de Dieu, il ne peut pas échouer. Il ne verra jamais la honte. Dieu va toujours le lever. Amen. Quand on ferme une porte ici, on va ouvrir notre porte. Amen. Mais aujourd'hui, on est assis. Mais au moment, tu connais ton état. Tu connais ta situation. C'est ce que tu dis en dehors de l'église. Une maison que tu critiques, est-ce que tu peux la bâtir? Non. Une maison que tu traites de tout, est-ce que toi tu peux bâtir cette maison? Non. Mais pour bâtir cette maison, tu dois te taire. Et faire des choses. Que les gens parlent. Que les gens se lèvent. Non. Toi tu dois continuer à travailler. J'aime ces trois hommes, ces trois juifs. Dans la Bible de Daniel. Daniel 3. La Bible nous dit qu'ils craignaient Dieu. Quand Pharaon, alléluia, non, le roi à l'époque, dis-moi ça, il a fait un décret. Il dit les gens devaient l'adorer. Ils ont dit quoi? Ils ont dit les trois juifs, Shadrach, Meshach et Abnego. Ils disent nous, on ne va pas t'adorer. On ne va pas fléchir. Même si je souffre, on souffre comment? On préfère mourir que de faire ce que tu veux. Ces sentiments-là manquent à l'église aujourd'hui. Quand c'est trop chaud sur nous, on dit, j'ai fait quand même, j'ai me repentir, Dieu va me comprendre. Mon frère, Dieu ne peut pas te comprendre. Dieu ne peut pas te comprendre. Si toi tu n'as pas compris Dieu, comment Dieu va te comprendre? Dieu n'est pas notre camarade. Aujourd'hui, on se fout trop de Dieu. On n'accorde plus de respect aux hommes qu'à Dieu. On n'accorde plus de respect aux choses des hommes qu'aux choses de Dieu. Les gens ne viennent pas à l'église, j'ai baptême. Je ne viens pas à l'église, je suis en deuil. Je ne viens pas à l'église, mais à l'église primitive. Les gens mouraient aussi. Et les enfants qui naissaient aussi, non? Parce qu'ils se multipliaient. Mais la Bible, ils étaient assidus au temple. Amen, amen. Ils étaient assidus au temple. C'était la crainte de Dieu. Ils savaient qu'ils dépendaient de Dieu. Leur vie dépendait de Dieu. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Pour qu'elles s'accomplissent, pour qu'elles se réalisent en toi, tu dois craindre Dieu. Amen. Tu dois faire la volonté de Dieu. Amen. La crainte de Dieu nous donne des avantages. Elle nous favorise dans notre marche avec Dieu. Elle nous positionne et elle nous donne l'équilibre nécessaire pour affronter le diable. Amen. Tu ne peux pas affronter Satan si tu ne crains pas Dieu. Il va te tuer. Il va tuer ta famille. Il va tuer ta maison. Il va éteindre ton foyer. Les gens se lèvent. Tu sais comment tu vis? Ah, ribaba, rokoraba, yagnabrache. Tu commences à parler, ça t'en sort de sérieux. Mais le diable te regarde. Il dit, je connais Paul. Je connais Jésus. Mais toi, qui tu es? Dis à quelqu'un, toi, qui tu es? Dis à quelqu'un, toi, qui tu es? C'est très important. Je peux te tromper. Ce matin, je peux vous tromper, hein, avec un beau discours. Mais je ne peux pas tromper Dieu. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Mais aujourd'hui, on est assis. Mais on veut voir Dieu à l'œuvre. Mais Dieu ne bouge pas. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour bénir. La Bible dit que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas sourd. Mais dit, qu'est-ce qui fait que Dieu n'agit pas? Ce sont nos actions. Et la Bible dit quoi? On a lu tout à l'heure. Pierre dit,
Il dit pendant le camp de pèlerinage. Il n'a pas dit quand tu vas à Rome. Il n'a pas dit quand tu vas en Israël. Ça, c'est le tourisme. Ça, c'est le tourisme. Tu vas en vacances, tu veux te reposer, tu veux découvrir une autre culture. C'est ça. Mais il dit pendant que tu vis sur terre, ta vie de tous les jours est un pèlerinage. Tu ne sais pas où ta vie va s'arrêter. Tu ne sais pas où ça va s'éteindre un jour. La Bible dit, crains Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, crains Dieu. Crains Dieu. Dis à quelqu'un, crains Dieu. Crains Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher dans le vide. On est tous dans l'église, on se cache derrière les gens, on veut raconter l'existence. Non, mon frère, Dieu là, ses affaires sont palpables. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Le yes de Dieu, c'est un yes éternel. Quand Dieu a dit oui, c'est fini. Quand Dieu t'a élevé, c'est fini. Dieu ne peut pas être dans demain, le mois on n'a pas vu, mais le mois prochain, non. C'est un Dieu qui répond à nos prières. Il dit demandez, il vous sera donné. Il dit tout ce que vous demandez, la prière avec foi. Croyez que vous l'avez reçu. Amen. Parce que vous verrez ces choses s'accomplir. Amen. Mais comment les choses vont s'accomplir dans ta vie si tu ne crains pas Dieu? Si tu ne crains pas Dieu, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Si tu es avec l'église qui est en mouvement, c'est l'église qui est conduite par l'esprit. C'est l'église qui fait la volonté de Dieu. C'est l'église qui sera glorifiée. Les, la gloire va t'accompagner. Amen. Mais si tu es dans l'autre camp, tu vas dire Seigneur, je t'attends, mon mari, Seigneur, Marie ne viendra jamais. Toutes les personnes qui l'ont avec toi, c'est les gens qui sont déjà mariés, qui sont déjà, qui veulent te mettre dans l'adultère. Et tu es là, mais Dieu là, depuis que je prie, c'est les musulmans seulement qui viennent. Depuis que je prie, c'est seulement l'animiste. Depuis que je prie, c'est le bouddhiste. Depuis que je prie, c'est les hommes mariés, les tontons qui me regardent. Ma génération ne me regarde pas. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu te donne le meilleur de ce que tu demandes. Amen. Il te donne l'excellence. Alléluia. Dieu te transforme, il te positionne. Amen. Les gens veulent promotion dans leur boulot. Mais quand les gens sont en train de gréver au boulot, quelque chose dans la fausseté, la fraude au boulot, tiens les dents. Et quand tu vas leur dire, parce que prie pour moi, et il y a un poste là-bas, mais comment tu auras ce poste si tu ne crains pas Dieu? Joseph, chez Potiphar, quand la femme de Potiphar a voulu aller avec lui, la Bible qu'il a fui, non? On l'a accusé, on l'a mis en prison, non? Mais dans cette même prison encore, puisqu'il craignait Dieu, la fidélité de Dieu était avec lui. Amen. La bonté de Dieu était avec lui. Amen. Et qu'est-ce que Potiphar, qu'est-ce que Pharaon a dit? Il dit qu'il n'y a pas de Dieu dans son état supérieur au Dieu de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Amen. Dieu l'a positionné. Il a dirigé tous les biens. Il a administré quoi? L'Égypte. Vrai ou faux? Hein? Pharaon lui a dit quoi? Il dit, moi je n'ai pas au-dessus de toi. Mais tout le reste l'a fait. La crainte de Dieu positionne quelqu'un. Amen. Tu veux quelque chose aujourd'hui, il faut faire ce que tu n'as jamais fait dans la vie. Amen. Commence à craindre Dieu. Amen. Fais ton bilan. Si l'année 2016, tu as menti, tu as trompé, tu as commis des péchés, alléluia, Dieu est bon et pardonne. Amen. Repends-toi aujourd'hui. Alléluia. Commence à craindre Dieu. Commence à marcher dans la crainte. Comme si tu es seul, il n'y a personne, il n'y a pas d'argent. Un ange de Dieu te visitera. Amen. Dieu va dépêcher quelqu'un. Parfois, même les situations, tu ne comprends pas. Mais toi, sois fidèle. Amen. Crains Dieu, il va te positionner. Amen. C'est ce qui peut mettre l'église debout. Amen. On peut faire des longues prières, des veillées, des campagnes. On peut pas, on gagnera pas les gens. Amen. Mais la Bible dit que l'Esprit attire la faveur. Amen. L'Esprit attire la faveur. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, on dit le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous appelez saint. Il est pur. Quand tu es dans la sainteté, frère, c'est des grandes choses. Déjà, j'ai rajeuni. Il va rajeunir, je ne veux pas vieillir. Laisse tomber, c'est un faux débat. Parce que Dieu est avec moi. Je suis avec Dieu. Mais pourquoi y a le laisser? Dieu le laisse, je suis foutu. Les gens que j'ai été moins chassés, ils vont me frapper mal même. Donc je me positionne. Je me cache en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais ouvrir les yeux de quelqu'un aussi ce matin. La Bible dit que quand Moïse a demandé à Dieu qu'il voulait voir la gloire de Dieu, frère, Moïse n'a pas vu Dieu. Dieu l'a caché dans un rocher, non? La Bible dit, c'était prophétique, frère. D'accord, c'était prophétique. La prophétie. La Bible dit que Christ est le rocher, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'était une figure, une préfiguration. Il était caché en Christ. C'est là où il a vu la gloire de Dieu. Dis, quand tu crains Dieu, tu vas te cacher dans le rocher, en Christ, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, tu
n'y a pas de croix. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. La Bible dit que Christ est le rocher. Mais où Moïse a été caché? C'est pas dans le rocher? L'ami de Dieu. Il était caché en Christ. Et la Bible, il a vu la gloire de Dieu par derrière. Mais toi, tu ne peux pas voir la gloire par derrière. La Bible dit que tu le verras face en face, tel qu'il est. Dieu t'a positionné. La Bible dit que nous sommes participants à la gloire de Dieu, à la gloire divine. Mais comment tu vas participer à cela si tu ne fais pas la volonté de Dieu? Si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ce matin, c'est le craindre. Amen. Amen. Il faut craindre Dieu. Amen. Tu ne peux pas demander le Saint-Esprit sans demander la crainte de Dieu. Mais quand le pasteur nous dit ici, veillez sur vos témoins, le témoin, le témoignage. Nous, on comprend autrement. Il veut parler de quoi? Il dit, mon frère, crains Dieu. C'est un langage codé. Quand il dit, mon frère, le témoignage, il dit, crains Dieu. Fais attention. Parce qu'il sait que sans Dieu, là, on n'est rien, frère. On n'est rien. Ce matin, si on aura un temps de prier, on va prier. Amen. Est-ce que vraiment, tu prends la décision de craindre Dieu? Si tu crains Dieu, tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux, Dieu va te le révéler. Amen. Dieu va te le montrer. Alléluia. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, j'ai lu ma Bible, de Genèse à Apocalypse, ils ont marché dans la crainte. Amen. Tous ceux qui ont marché dans la crainte, Dieu les a livrés aux ennemis. Et tu ne peux pas être livré tout le temps à Satan, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu marches avec lui. Amen. Mais pour marcher avec Dieu, tu dois connaître ta place. Tu dois prendre ta place dans sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la crainte de Dieu, dans Proverbe, prolonge tes jours. T'augmente la vie. Quand tu si tu veux vivre longtemps, commence à craindre Dieu. Je ne peux pas vieillir. C'est impossible. Je vais veiller à son temps, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose. Il y a un mystère dans les Écritures, dans la parole. Dieu dit, crains-moi. Il dit, mon fils, il faut me craindre. La crainte de Dieu enlève le mensonge de ta bouche. Elle enlève la tromperie. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de toi. Dis des choses qui ne sont pas vraies. Ne t'occupe pas d'eux. C'est la distraction. La crainte de Dieu ne va jamais te distraire. Tu es positionné. Et ce matin, nous voulons positionner notre église. Cette année, nous voulons positionner la Messade. Mais pour la positionner, l'église doit marcher dans la crainte. Arrête de te cacher des hommes. Mais Dieu te voit. La Bible dit que Dieu te voit. Tu te caches des hommes. Mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est bien habillé. Hein? D'autres sont en costume, cravate. Moi, je suis simplement habillé. Hein? Mais c'est pas si ça n'impressionne pas Dieu. Ça y est, il était beau. Ça y est, il était grand, il était élégant. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu regardait quoi? Le cœur de Saül. Ce matin, Dieu regarde le cœur de chacun. Parce qu'on dit que nous sommes l'église du Seigneur. On dit qu'il a racheté l'église. Il a racheté l'église pour que l'église demeure dans la crainte. Il a racheté l'église pour que l'église marche dans sa volonté. Toutes les fois qu'on sort de la volonté de Dieu, on est exposé au mal. Qui te conseille dans la vie? Qui te parle dans la vie? Qui te parle? Tu sais que les conseils des gens? Les conseils, il faut trier aussi. Comme le frère a dit ce matin, il y a même ceux qui prophétisent là. Si la prophétie, elle n'est pas conforme à la parole, il faut rejeter. On prophétise des choses. Et qui est assis dans l'église, est en train de convoiter mari de l'autre, est en train de convoiter femme de l'autre. Seigneur, c'est l'homme là. Fais qu'il soit maintenant là ici pour moi. Dieu ne va jamais exaucer cette prière. Jamais Dieu va exaucer ça. Seigneur, mon frère là, tu le vois, non? Il faut l'abaisser pour que moi, il va me voir. Et tu es à l'église, tu commences à prier. Seigneur, oui, l'année là, il va me voir dans mes stades là. Moi aussi, non. Dieu ne veut pas exaucer cette prière. Non! Dieu ne veut pas t'élever. Après, tu vas te glorifier, non? C'est Dieu qu'on doit voir. Amen. Quand tu es élevé, c'est Dieu qu'on voit. Amen. Quand tu es positionné, c'est Dieu qu'on voit. Tout ce que tu fais, même si demain, on t'a nommé ministre, tu as l'habitude, c'est toi qui fais le protocole. Dimanche matin, viens faire le protocole à l'église. Tu laisses tes gardes-corps là-bas, tu te mets là, tu dis, ah,
tu commences à accueillir les gens. Dieu va encore te lever. Amen. Mais dès qu'on est élevé, on est exaucé. Là, la crainte a disparu. On retourne dans les anciennes choses. On commence à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne sont pas d'accord avec Dieu. Mais si maintenant tu es bloqué là-bas, tu vas aller. Celui qui a ouvert, il peut fermer. Celui qui a donné, il peut retirer. Hein? Aujourd'hui, les gens trouvent des paroles, des textes, des versets pour justifier leur péché. Les gens justifient leur péché. Et quand on m'a dit qu'Abraham avait trois femmes, non. Abraham a épousé sa dernière femme. C'est quand Sarah est décédée. Il n'était pas avec elle pendant qu'il était avec Sarah. C'est faux. Mais si vous n'avez pas de bons enseignants, vous ne vous laissez pas instruire par la parole. Mais où allons-nous? Où allons-nous? L'église est devenue une lieu d'abomination. Nous-mêmes, on cherche le Saint-Esprit. Quand les anges viennent descendre, on commence à chanter, on parle de l'esprit à l'œuvre. Comme ce matin. Et moi, quelqu'un va se lever, il va arrêter la prière pour dire ce que lui. Non. Quand Dieu est à l'œuvre, il y a la joie partout. Amen. Laisse cette joie-là continuer. Amen. Tu n'es pas obligé de parler tous les jours quand tu es dans la plainte de Dieu. Laisse Dieu parler parfois. Amen. Nous, c'est nous seulement qui parlons. Seigneur, tu sais que. Non. Laisse Dieu parler. Amen. Parfois, on vient adorer. On adore, on adore. Si personne ne veut parler, ne forçons pas. Tais-toi. Laisse le Saint-Esprit agir. Amen. Parfois, on a fini de prêcher. Il n'y a plus de prière. Ne forcez pas les choses. Avec Dieu, on ne force pas. Avec Dieu, on ne s'impose pas. C'est Dieu qui t'impose. Et quand moi qui t'impose, il te révèle. La Bible nous dit, comme il a dit ce matin dans Acte 13, que Dieu avait révélé au docteur et au prophète ce à quoi il avait appelé Paul et Barnabas. Mais toi, tu dis que tu sais Dieu. Qui t'a révélé? C'est toi qui te révèle ou c'est Dieu qui te révèle? Si c'est toi qui te révèle, tu te montres, tu dis c'est moi, je suis prophète. C'est pas bon. Laisse Dieu montrer à quelqu'un que tu es un homme de Dieu. Amen. Tu es une servante de Dieu. C'est là où tu vas marcher dans la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup marchent en dehors de leur appel. Parce qu'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de discernement. Ils se mettent là où ils ne doivent pas être. Et rien ne va. Quand tu es à ta place, là où Dieu t'a positionné, il y a des choses, des miracles, des prodiges qui t'accompagnent. Donc si le pasteur m'a demandé, il m'a parlé du thème, ma petite contribution de ce matin, Dieu nous appelle à la crainte. Amen. Nous devons craindre Dieu. Et je vais finir par ce verset, Ésaïe 45, verset 22, qui nous dit quelque chose. Amen. Si on doit prier, nous, on dit quoi? Oui. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Si Dieu est Dieu, frère, sœur, tu peux me mettre Lévitique 20, verset 24. Si Dieu est Dieu, on doit se tourner vers qui? On doit se tourner vers qui? Dieu. Si Dieu est Dieu, vers qui tu dois te tourner? Il dit quoi? Il dit, je vous dis, c'est vous qui possédez le pays, voilà. 20, 24. C'est pas ça. Où on dit, il dit, vous serez saints. Voilà. Lévitique. Si tu n'as pas trouvé, c'est au chapitre 20. Il dit, vous serez saints. Il dit, vous serez saints. Dieu nous invite à la sainteté, à fuir le mal. La Bible dit que le levain a été ôté. Le péché a été ôté. Comment pouvons-nous vivre la vie encore pour le dire? Comme autrefois. Comment? L'église est devenue de séduction. C'est là où on veut séduire. Il y a les esprits jésabéliques. Hein. Quand quelqu'un rentre, on dit, ah, c'est quel frère qui est rentré là? C'est pour mon mariage. Tous les frères qui rentrent, tous les frères qui arrivent, quand tu penses à toi, laisse ça. C'est un faux débat. Quand le frère qui est pour toi va arriver là, il va aller te prendre où tu es. Il va pas se cacher. Il va d'abord voir ton pasteur. Ma soeur, je ne veux pas jouer avec toi. Je veux t'honorer. Devant Dieu, devant les hommes. Mais on est assis. Tout le monde est désespéré. Parce qu'il n'y a pas de crainte. La crainte donne l'espoir. Tous les frères qui rentrent. Peut-être le frère là, c'est moi qui vais regarder maintenant. Hein. Et là, c'est mon mari qui est arrivé. On
Moi, j'ai mené les relations. On envoie quelqu'un, va parler avec lui. Invitons-le. Laissez ça. Il y a quelqu'un, laisse ça. Alléluia. Tu dois regarder à Jésus. Il dit, vous serez saints pour moi. Oui, verset 26. Car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Dieu nous a séparés des peuples d'autrefois. Dieu nous a séparés de nos appartenances d'autrefois pour être à lui seul. Mais comment maintenant, toi et moi, on ne peut pas marcher dans la crainte de Dieu? Donc si tu es encore dans les mêmes choses, tu n'es pas séparé. Tu n'es pas affranchi. Parce que quand tu es affranchi, Dieu te sépare des choses anciennes, des comportements d'autrefois. Non, on ne vient pas à l'église pour faire amitié. On vient à l'église pour adorer Dieu. Et Dieu veut les véritables adorateurs. C'est qu'il adore par le Saint-Esprit. Et adorer Dieu, le mot adorer, pour la première fois, il a été cité dans la Bible, c'est Abraham. Il a dit quoi à ses serviteurs? Il dit, nous portons adorer l'Éternel. Il portait offrir son fils à Dieu. C'est le sacrifice. Maintenant, notre adoration, parce que chanter là, acclamer, ce sont les expressions de l'adoration. Mais quand tu chantes, est-ce que tu essaies une vie livrée, une vie abandonnée, une vie dédiée à Dieu? C'est là où on voit la crainte de Dieu. Et quelqu'un qui adore Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, il s'est offert à Dieu, il s'est donné à Dieu, il appartient à Dieu. Mais non, Seigneur, ce n'est pas le rythme musical qui compte. Parce que quand c'est chaud, on dit c'est louange, non. La louange, on peut parler. Adoration même, on peut essayer de ne même pas parler. On contemple seulement. On écoute seulement. Alléluia. Mais Dieu dit quoi? Il dit, je vous ai séparé des autres. Est-ce que vraiment tu es séparé des autres? Quelqu'un qui est séparé des autres, il y a une démarcation. On te reconnaît chrétien, pas par le nom de ton église, pas par le nom de ton pasteur. Alléluia. On te reconnaît en tant que chrétien à travers la vie que tu mènes, le comportement, tes attitudes. C'est là où on va te reconnaître. C'est Antioche, on les a reconnus à travers leur attitude, leur comportement. On dit que c'était des chrétiens. C'est-à-dire quoi? Des petits Christ. Alléluia. Donc si nous venons à l'église, et nous voulons que l'église avance, frère, nous devons nous séparer des autres peuples. Ça ne veut pas dire qu'on va les quitter, on ne va pas les parler, on va les juger, non. Parce que la crainte de Dieu met en toi la miséricorde, la compassion des autres. La crainte de Dieu t'amène, alléluia, à aider l'autre quand ça ne va pas dans sa vie. Et la Bible dit que dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas de pauvres. Alléluia. Les gens, ils visaient tout ensemble, dans un même esprit. Pour que l'église avance, on doit d'abord craindre Dieu. Et en craignant Dieu, on aura le même esprit. En cela, on aura une même volonté, un même but, une même vision. Et c'est là maintenant, on va faire des exploits. Et j'ai parlé à quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai pas parlé à quelqu'un, que le Saint-Esprit continue à amplifier le reste dans ton cœur. Mais sache que Dieu t'a séparé des autres peuples. Là où il y avait l'animisme, il y avait l'idolâtrie. Tout ce que tu faisais avant, quand tu viens à Jésus, la Bible dit que tu es séparé de ce monde-là, de ce peuple-là, pour les appartenir. Si vraiment j'ai été séparé de ce peuple-là, ma vie doit honorer Dieu. Ma vie ne doit pas honorer les hommes seulement, mais doit honorer d'abord Dieu, ensuite les hommes. Alléluia. Ma vie doit honorer Dieu. Ensuite, les hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen.